tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de Star Trucker, un jeu dans lequel on transporte du cargo par camion spatial. C'est un jeu qui a l'air bien fun et intéressant et on va découvrir ce qui nous attend ensemble. Comme toujours, la démo est disponible sur Steam, je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé. Pensez au petit pouce bleu si vous voulez me faire plaisir et à vous abonner parce qu'il y a plein de présentations qui arrivent dans les prochains jours. Alors vous êtes prêts? En avant! Alors, on est tombé en panne sur l'autoroute. Il y a quelques fuites, comme vous pouvez le voir. Il va falloir les réparer. Ouh, regardez. Oh, il pousse un petit astéroïde. Super. Bon, alors. Allons faire les réparations. Je récupère la combinaison. On ouvre le sas. On le ferme du côté là. Et on sort. Un petit peu de perte d'oxygène, mais bon, je me dis que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. J'aime bien ça. Ok, bon. Ah, coucou. Alors en bas à gauche, vous pouvez voir ma réserve d'énergie. Et en bas à droite, ma réserve d'oxygène. Hein, qui reste dans la combinaison. Donc, on ne peut pas se balader à l'extérieur à l'infini. Pam. Et regardez, on met un pansement et ça, je trouve c'est génial. C'est pas juste on bouche le trou ou autre. J'espère d'ailleurs que ça va rester. Comme ça, on peut voir l'évolution de notre camion et avec toutes les réparations. C'est marrant. Allez, hop. Oh. Oula, ok, apparemment c'est pas juste de l'oxygène qui s'échappe. De la vapeur, mais je me dis que notre combinaison devrait nous protéger. Alors, regardons un petit peu autour. Oh, le jeu est très très joli. Ah, lui se balade avec des tuyaux. Je me demande jusqu'où on peut aller avec la combinaison. Je vais pas tester là, parce que bon voilà, mais ça serait intéressant de voir. Est-ce que je peux intercepter les autres véhicules? Genre faire le pirate, je m'accroche à leur... Alors, petit vaisseau là. Alors, hop. Du coup, on ferme par sécurité. On met la combinaison, elle va se recharger, refaire le plein d'oxygène. Et c'est reparti. Il n'y a pas de lit, tiens, je me vois dans la cabine. Alors, ça, c'est pour contrôler. Alors, c'est marrant. ZQSD, c'est pour soulever, enfin, soulever le nez, le faire baisser, aller à gauche, à droite. Espace, c'est pour accélérer. Mage, c'est pour freiner. Et... on transporte actuellement des packs d'habits. Pas de dégâts au cargo pour le moment, mais on peut faire des accidents, on peut cogner d'autres camions, cogner le bord d'un bâtiment ou autre, et justement endommager notre cargo. Alors, il nous dit que la porte est apparemment en panne, des drones la réparent, mais les réparations devraient être faites à notre arrivée. On va voir ça. Là, il y a nos batteries, à savoir que je peux changer. Qui est affiché. Ouh, l'oxygène. Ouh, okay. Ah, ça c'est pour s'arrimer, je crois. Oh. Ah non, c'est différentes caméras, c'est juste voilà. Okay, non, on va mettre ça à la batterie. Super. Alors on se rapproche. C'est quoi la vitesse? J'ai pas vu la limite de vitesse. Ah. Alors, en gros là, ça nous dit qu'une fois arrivé à la porte, elle s'active toute seule. Il faut attendre qu'elle se charge. Voilà. Boum. C'est parti. Et il est 19h04. Par rapport à quoi? En plus là, l'heure ne change pas, alors qu'on a changé de région. Poum. Ok. Ah, alors JB qui nous parle. Non, elle nous accueille sur place. Et la perte de FPS. Je suis désolé, j'ai tenté de baisser les options et tout, mais ça ne change rien. Je suis à du 40 FPS dans cette zone, quoi qu'il arrive. On va faire avec. J'étais à 60 dans l'autre. Mais j'ai tout baissé et ça reste identique. Donc, alors, on doit aller à la zone de dépôt, donc celle qui est en face là, et poser notre cargo. A savoir que c'est là que je me suis arrêté dans ma partie test parce que je me suis crashé et j'ai détruit mon cargo. Enfin, quasiment détruit quoi. Alors. Voilà, là on va freiner. Oula, pourquoi il pointe du nez soudainement? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes vers le haut? Si. Ok, alors, vers là-bas, s'il te plaît. Oui, quelque chose qui me soulève là? Ok, c'est bon. Vers là. Vers ici. On va bien se positionner. Je faisais marche arrière, j'appuie sur Mage.
On se voit pas dans la cabine. Voilà. C'est mieux en vue interne. Mais je vais quand même devoir passer en vue externe. Pour être sûr que je ne connais rien. J'attends que ça passe vert. Je freine. Parce que sinon je vais détacher le cargo et il va continuer d'avancer et du coup je vais pas être payé. Ah super. On libère. On est payé. 500 pour la livraison, le contrat. 100 pour avoir été prudent. Et 8 pour être arrivé à l'avance. Merci pour la prime. Et on ne monte pas de level, d'accord. Great job. Payment should already be with you. Donc là, il nous invite à Palm View Station. Oh, il y a du contrat qui nous attend là-bas et de bonnes protéines. Miam! Alors, vitesse max 150. Mais 150 quoi? Parce qu'on a, on a des kilomètres et des miles. Ok, c'est donné en miles. Parce que là, ils disent miles. Donc 150, je suis à peu près à la... C'est trop bizarre de rouler sur une autoroute spatiale. Je vais essayer de rester sur le côté droit. Ah, je vois une station pour faire le plein là-haut. On est où côté? Carburant, on est plein. Je vois des gars qui vont en sens... Trop bizarre! Trop bizarre système. Oh, regarde ce qu'il faut. Lui il est vide. Oula, attention, je tanque vers la gauche. Alors j'ai vu tout à l'heure un bonhomme qui avait 3 containers derrière lui. Je sais pas s'il a amélioré son camion ou si c'est juste une question du contrat qu'il a choisi. Matériel, lui il en a 2. Je suppose on est mieux payé hein, lorsqu'on transporte plus de choses. Oula, toi tu vas vite toi. Moi je suis à combien? Je suis à du 100. Du 125. A savoir que si je conne quelque chose, par exemple un autre camion, je reçois une amende. Alors, utilise la caméra pour aligner ton camion avec le docking bay. Ok, la caméra est là, je suppose. Ouh, ok. Rapproche-toi suffisamment pour que le système maglock, de lock magnétique, s'active. Ou devienne disponible. Ok, très bien. Donc c'est ce qu'il y a devant moi, je suppose, la station Palmview. Ah, ok, là. Oh, c'est magnifique, hein. Magnifique. Alors, on va freiner. Oh, 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 oh. Freine, freine, freine. Oh, purée, je me suis pris un petit peu trop tard pour freiner. Ils ont dû trembler dans la station. Ouh, ouh, faut être prudent avec ça, d'accord. Alors. Ça. 40 mètres. Les gars dans la station, ils ont dû trembler. Ah, je vous ai pas montré, je peux également prendre la radio, clic droit et répondre quand ils me parlent. Mais là, je leur ai pas répondu. C'est pas grave parce que j'étais préoccupé par la conduite. Alors. Je sais pas quel. C'est pas activé encore. Moins de 10 mètres? Non, moins de 5 mètres peut-être? Allez, doucement, je veux pas cogner, je veux pas recevoir une amende. Non, purée, il faut être à quelle distance? C'est ce bouton, c'est le levier, un coup. Ah voilà, ok. Ouh. Alors, d'accord, le tableau de boulot offre des contrats disponibles dans la zone, hein, dans la région. Si tu gagnes une certification, la liste va s'étendre. Ce qui va te donner à de nouveaux types de boulot et nouveaux types de cargo à transporter. Attention, les bonus et les déductions, donc je suppose lorsqu'on est en retard ou lorsqu'on a un accident, vont
ne vont pas être identiques en fonction du type de boulot. D'accord. Et il va y avoir de fortes pénalités pour abandonner ou annuler un boulot. D'accord. Alors, ouh, tout ça expire dans une minute. D'accord, je dois me dépêcher, c'est ça. Ah, toi, tu payes 300, tu payes 1000. La distance est la même. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais transporter ça plutôt que ça? Est-ce que je peux en ramasser plusieurs également? West Cosmotique. Ok, il y en a aucun qui va. Ah, si. Les deux là. Celui-ci et celui-ci. Mais la distance n'est pas la même parce qu'il y a un jump. D'accord. Donc, si je ramasse ça. Okay, c'est le contrat. Okay, on a un vrai contrat là. D'accord, on l'accepte, on l'accepte. Et je suis à 1 sur 1 parce que j'ai pas une certification pour en prendre un deuxième, je suppose. D'accord. Bon, on va faire la livraison. Ah, alors, je voulais voir. Est-ce que je peux sortir? Je vais voir s'il y avait d'autres offres. Oh, je peux sortir effectivement. Est-ce que j'ai besoin de ma combinaison? Pas sortir. Ah, ok, c'est comme ça, d'accord. Alors, elle est où la promesse des protéines délicieuses? Bon, bah ok, bah on est reparti alors, hein. Hop. On va se déconnecter. Et je sais pas trop où aller là, du coup. Côté carburant, ça a vraiment pas bougé, hein, même pas 1%. Ouh, on peut peindre notre ride. Ah, je sais pas où aller. C'est à New Liberty? Ah, et on doit monter le level 3 fois. Va au secteur Purity. Purity, c'est là-haut, ok. Mais ouais, mais le contrat que j'ai obtenu là. Ah, donc c'est ça, donc c'est bien, c'est la description. Je dois récupérer le. Ah, il me le donne pas là le cargo en fait. Oui, il faut aller le chercher. On va le chercher à Purity. C'est parti. Est-ce qu'on fait un petit tour chez Diego avant? On va faire un petit tour chez Diego. On va voir si on peut repeindre et combien ça va nous coûter surtout. Oula, ça c'est un débris qui flotte? Dangereux ça. Ils ont pas des drones pour récupérer les débris? Diego alors. Salvage Beacon, c'est quoi cette histoire encore? Freine. Il faut monter en fait. C'est vraiment la vraie 3D, on est libre de. Ok. Ok, je pense que la cinématique va mieux contrôler le camion que moi. Alors, ça c'est mon argent, hein. Changer le wrap. Oh, ok. Ensuite. De base. Est-ce que c'est orange ça? Couleur chrome. Oh. C'est pas tellement plus beau, mais ok. C'est bon? J'ai rien payé? Ça m'a rien coûté. Voilà. Super, couleur de la chaîne. Et c'est bon, c'est validé? Je crois que c'est validé. C'est validé. Et j'ai rien payé. Bon, peut-être ça va être payant dans la version complète. On va reculer. Et on va là-bas. C'est magnifique, le jeu est magnifique.
Ah, là, je suis revenu à du 60 FPS. Là. C'est juste l'entrée dans la zone où il doit y avoir trop de bâtiments. Allez, je vais mettre derrière lui pour avoir du draft, même s'il n'y a pas d'atmosphère. Donc... Allez, on le rattrape. Ah, t'as pub ici. Ok. Un peu dangereux, c'est la lumière là qui flotte. Est-ce que c'est sens unique là? Faire gaffe parce que on a tendance à drift, vous voyez. Quand je tourne, bah, bien entendu, le camion continue d'aller dans le vecteur d'origine, vous voyez. Donc, et vu que la zone est assez étroite là, c'est un petit peu bizarre. Faut contrôler le tout. On doit aller à Purity. Est-ce que je devrais pas juste sortir de l'autoroute et faire du hors-piste? Oh, lui, il en a 3 de containers. Tu transportes quoi, toi? Ah non, je pensais que... Non, c'est juste qu'ils sont vides. Je pensais que c'était genre des bidons ou je sais pas trop quoi. Ok. Comment je remplace? Ok, alors, Harmony Link, on va s'arrêter là. On doit aller à Purity. Bon, je peux tenir encore un petit peu, mais... Job board, j'ai déjà un contrat. Ok, on s'arrête. Ouh, gravité, 10%. Ok, d'accord, alors... Mais où? Ah. Power 189. Ouais, mais 189, c'est beaucoup ou c'est bas? 100. C'était l'oxygène, hein. Switch charger. C'est l'oxygène qui est bas, hein. Alors je dois reprendre ma combinaison. Power 150, c'est pas tellement plus, hein. De choses en fait qu'on peut le remplacer, on va voir. C'était pas celui-là. Ah, c'est ça qu'il faut changer pour l'oxygène déjà. Je sais pas trop te mettre. La gravité s'est également désactivée. Vous pouvez voir, je flotte. J'ai pas encore trouvé où c'est. Alors, où là-dedans. Ah, il faut tout réactiver. Système. Tac, tac. Gravité, c'est orange, donc ça fonctionne pas. Et le shock shielding est orange, ce qui veut dire que ça fonctionne pas non plus. Mais j'ai pas trouvé où. Oh, ok. En dessous. Ah! Oh, ok, c'est un peu traite. Ça, c'est quoi alors? Ah! 0, 84. Ok, donc c'est juste ça qu'il faut changer. Oula, ok. Pas que ça me tombe sur la tête! c'est bon, alors, très bien, toi. Ok, toi, t'as encore de l'énergie, tu vois, là-dedans.
Ça, c'est endommagé. On va le mettre là. Toi. Ça, c'est un problème pour le futur. Micro stabilisateur, 8 points. Comment est-ce que je vais ramasser ce qu'il y a là-dedans, du coup, dans le futur? Je sais pas trop. Ah, je peux le déplacer comme ça. Ok, donc ça va être bon. Hein. Toi, t'es vide. Je pense si je peux les recharger. Ok. J'ai pas trouvé où réparer le choc absorbeur. Je sais pas si j'en ai, d'ailleurs. Ok, bon, on est reparti parce que j'ai passé pas mal de temps à fouiller et à trouver. Le jeu ne nous aide pas du tout, hein. Oh oh. Oh oh, là on a un autre problème. Corps A, corps B, c'est lesquels ça maintenant? Corps... C'est là-dedans? Ah, c'est les deux là, ok. Alors je vais récupérer ça vite fait. Ok. Va falloir en acheter d'autres, du coup, je suppose. Voir trouver une station de recharge. On est bon là. C'est bon? Ok, là c'est pas parfait, mais je pense que ça va s'équilibrer. Ok. Non, on va pas rester dans la combinaison parce qu'on va s'étouffer dedans. Je vois que j'ai quoi? 60% d'oxygène restant? 54? Ok, ça remonte, hein, quand t'es dedans. Ouais, c'est bon. Lentement, mais ça remonte. Ouh! Ok, le jeu mériterait un peu plus de tuto là pour nous accompagner. Mais bon, on continue. Alors, Purity. Mais c'est fun de trouver. Bon, on doit toujours ramasser notre caco à Purity. C'est pas un jeu où les choses se passent vite, hein, je me rends compte. Ok, là on fait quoi du... Hein. C'est lequel les kilomètres déjà? C'est en haut, hein. Non, c'est en bas. Ok, 180. J'arrête d'accélérer. Arrête-toi à la bonne distance. Ah, d'accord, donc c'est pas automatique comme le premier. Il faut s'arrêter à la bonne distance. Ok. Alors, on freine un peu. Il faut être devant le stop. Le plus proche. Très classe. Alors, on doit aller à la... Oh oh. Ok. Est-ce que je peux avancer ou je dois freiner? Je dois freiner. Oh oh. Okay, je vais pas les cogner non plus. Très classe. Ah, l'ambiance est... Okay. Ah bah, je suis vide, tu peux pas voir. Alors, on doit aller PR01. Ah, le carburateur, le symbole là-bas. Jefferson Place, Emerald Junction, c'est quoi toutes ces choses? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux acheter des batteries et des trucs là? Peut-être à Jefferson Place. Est-ce qu'il y a une carte? J'ai pas de carte. Limite 120 miles, c'est la limite. Il y a la police pas loin, donc je vais pas aller bien plus vite. Ah, Jefferson Place. Ça a l'air d'être un endroit important. Ouh, lui, il a 3 containers. Il y va en diagonale pour crâner, pour que je le vois. Est-ce que je peux aller en ligne droite à Jefferson?
C'est juste pour acheter du cargo. Okay. Pour acheter des contrats. Ok. Alors la question c'est comment. Je sais, tu vas freiner parce que là je vais connaître quelque chose. Il faut aller de l'autre côté. Ou alors il faut aller à ce qu'il y a là-bas, non? Job bomb. Ok, alors c'est plutôt ça. Où est-ce que j'achète des choses, les magasins? Ça c'est cash, ah, c'est fermé par contre. Cosmo Cash and Carry. Freine tout seul et quand je relâche, c'est pour ça que je perds la vitesse, ça freine un petit peu pour moi. Quoi, 2-3 mètres à la distance. Toujours pas? Ah, 2 mètres. Ok. Super. Maintenant, on doit aller où? Atlas Prime. Purée, ça 4 km dans cette direction. Je pense que je vais passer par-dessus la ville, ça va être plus simple. Ouais, ça. Le jeu est très classe, hein. L'ambiance, le gameplay, un peu plus de tuto serait pas mal. Mais même sans ça, franchement... Puis monter de level, débloquer je suppose un meilleur camion ou une meilleure cabine ou l'améliorer ou débloquer de nouvelles certifications surtout. Ce serait pas mal, mais il n'y a pas du tout de combat. Le gameplay par contre lent. On manipule le camion, vous voyez, vraiment il n'y a pas de pirouette, il n'y a pas de machin. C'est un style de gameplay qui n'est pas pour tout le monde. Mais franchement, moi, ça me va. Alors, on va se mettre là. Et on va. Regardez, le cargo continue à essayer de dériver. Je suis à du combien là? Je suis à du 110. C'est bien ce toit, Atlas Prime, ouais. Qu'il y a, ça drift un petit peu, mais là il y a une aide je pense pour pas que on dérive trop sur le côté avec l'inertie quand on tourne. Je sais pas s'il y a des propulseurs qui font ça pour nous. Ouais, ils font ça pour nous sur le côté. Ok, c'est pour ça. Et c'est pour ça que le cargo lui essaye de continuer de dériver dans le sens. Ah, c'est intelligent, c'est bien fait. Boum!
On doit aller où? Maglock in BPS V1. Je vois pas le... Je vois pas le... Armoly Link là-bas? Ah, ça là, New Liberty Terminal? Ce serait ça? Mais c'est... Les initiales c'est LT, c'est pas PS, PVS. C'est pas grave, allez en avant. En avant, en ligne droite. On passe pas par les autoroutes. On fait du hors-piste. J'ai des heures à rattraper parce que j'ai quelques soucis d'ailleurs en parlant de ça. Ok, 34% la batterie. Pas de magasin dans le coin. Ah, la drop zone, elle est là-bas. C'est quoi alors là-bas là? Ok, elle est là-bas. Elle est là-bas. Oula, oula, oula. Côté carburant. Carburant, ça change absolument rien. Est-ce que le carburant... Ah, ça, c'est l'oxygène, en fait. C'est pas du carburant. Oh, il y a un débris. Y avait un... Ah, c'est ça, le danger. Quand t'es hors de l'autoroute, il peut y avoir des débris. D'accord. Alors, je me dis, peut-être le carburant, c'est recharger les batteries. On pourrait y faire un petit tour pour voir ça. Est-ce que j'ai pris du dégât? Ah, le trailer. Ok. Pas de fuite? Non, pas de fuite. Ok, on va se rapprocher de l'autoroute. Beaucoup, beaucoup de débris. Je comprends. Je comprends. Pas bête, les développeurs. C'est une bonne motivation, ça, de rester sur la route. Mais si je me rapproche, je devrais quand même y en avoir un peu moins. Même si je suis pas dedans. Et c'est où que je répare du coup? Parce que là il n'y a pas de fuite. Ah, et il n'y en a pas autour de... Ok, à la sortie de l'autoroute. Et autour de la station. Pas de... Ok, alors remonte un peu parce que là j'ai... J'ai peur de cogner le panneau. Oula, j'ai trop compensé je pense. 2 km à la drop zone. Eh hey, mais y en a du débris là. Par contre l'espace est petit, hein. Les déplacements sont en kilomètres et en miles. Ah oui, non, c'est vrai que je peux. J'ai pas besoin de faire marche arrière pour celui-là. C'est vrai que j'allais faire marche arrière, mais. Attends. PSV1, d'accord. PVS, hein, pardon. Tard, pénalité. Ok, on a eu un accident. Oh, ça a été endommagé? Non, c'est juste le mien qui a été endommagé. Ok, un peu moins d'argent, mais c'est pas grave. On a un point de compétence. Ouh. Alors. Débloque des boulots avec un délai serré. Plus 5% d'XP pour ces boulots. Plus 10% de cash. Et toi? Débloque les boulots avec les trucs là. Ah, ok, on va prendre ça. Ok. Confirmer. Puis après, on va pouvoir progresser là-haut. Cargo. Ah, on a bien une carte. Ah oui, on a une carte. C'est juste que je peux pas appuyer sur virgule et M pour l'ouvrir. C'était un... Ok.
On va sortir et on va finir en allant au carburant. C'est une vraie surprise ce jeu pour moi. Deux endroits où faire le plein. Ah, le carburant est là. Pouf. Après, je regardais là. Ah oh je regardais l'amende. Purée, le nombre d'amendes que j'ai reçu. Ah, ça, c'est pour la fin. Ok. Ok. Ouais, bon carburant. Pourquoi je regardais pas là en fait. Parfois je suis tête en l'air comme ça. Et je suis dedans, tu veux que je fasse quoi là? Ah. Est-ce que j'ai l'argent pour... Ah là là. Alors, est-ce qu'on a reçu des dégâts? Je crois qu'on l'a reçu, ouais, vous pouvez voir, c'est un... la peinture a été bien dégradée, mais je sais pas comment réparer le tout. Et j'ai quelque chose qui... On va sortir et voir si on peut faire quelque chose de l'extérieur pour se marrer. Ah oui, il y en a. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je les ai juste pas vus. Ok. Et forcément, vu l'impact. Fais gaffe de ne pas se mettre dans le jet. À la fin de ma partie, le camion serait plus pansement que camion. C'est probablement ce qu'il y a. Ah, donc il faut régulièrement aller refaire la peinture si on veut maintenir... notre cabine en bon état, enfin en bonne apparence plutôt l'état. Est-ce qu'il y a d'autres fuites? Non, c'était juste ces deux fuites là. Rien en dessous. On va peut-être vérifier avant de sortir, ouais, de... Ok. On remonte. Adapte en fonction de la position par rapport au véhicule. Voilà. Super. Bah voilà. Voilà, voilà. On va s'arrêter là sur une belle bêtise de ma part. Ah, le jeu est fun. Il faut faire attention. Il faut être patient. Il faut découvrir un petit peu les mécaniques soi-même. Et il me faudrait débloquer ça. Là, il me faut installer le... ça, je crois que je l'ai pas en fait. C'est pour ça que c'est orange, parce que j'ai pas de bouclier pour le moment. Ou alors ça se met peut-être là pour le bouclier, si on a les bons modules. Ben on peut essayer, je pense, mais je pense pas que ça va. Alors. Ah, c'est un UCC. Non, c'est pas un UCC qu'il faut. Non, ça rentre pas là-dedans. Enfin, voilà. Bon, très bien. La démo est disponible sur Steam si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à la tester, ça vaut le coup. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.